Bonjour. Bonjour, monsieur Dan. Comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens vous voir pour renégocier mon prêt. Monsieur Dan, c'est la quatrième fois que vous renégociez votre prêt. J'en conviens, mais c'est peut-être la dernière. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Mais j'ai du travail, moi. Vous croyez que j'ai que ça à faire de vous recevoir tous les 4 matins? Comment ça, tous les 4 matins? J'ai un taux d'intérêt fixe et ils n'arrêtent pas de baisser. Ils sont au plus bas. Et alors? On dirait que ça vous dérange qu'on gagne un peu d'argent. Vous savez que c'est pas facile pour les banques? Les fins de mois sont très difficiles, croyez-moi. Et les miennes, elles vous intéressent pas? Les vôtres? Mes fins de mois, à moi? Bien sûr que si qu'elles m'intéressent. Mais j'ai le sens des priorités. Si les banques ne gagnent pas d'argent, votre crédit immobilier, sous le nez. Alors réfléchissez avant de parler. Je suis désolé. Quoi d'autre? Parlons de l'assurance du prêt alors, parce qu'elle me paraît hors de prix. Combien vous payez d'assurance? 84 euros par mois. Alors voyons. Vous avez 49 ans. Combien? 49 ans? J'aurai le passeport. Pas possible. Comment ça, pas possible? Mes parents sont nés en Tunisie. Ah bon? Et alors? La Tunisie, c'est l'Afrique. En Afrique, on ne sait jamais exactement quand ils sont nés, les gens. Bon, vous avez quel âge exactement alors? Mettez 39. 39. Alors, vous avez fait des tests de coloscopie par exemple? Ben non, c'est à partir de 40 ans. Ah oui, c'est vrai. Le diabète, pareil, c'est 40 ans. Et donc 84 euros, ça vous paraît excessif? Bah, mon neveu qui a emprunté pareil au même moment, il paye beaucoup moins cher. C'est normal ça? Il paye combien? Je sais pas, beaucoup moins. Non, mais votre neveu, il est plus jeune, certes. Il est plus beau. Ouais, mais ça joue ça? Il perd ses cheveux? Non. Il commence à avoir du ventre? Non. C'est normal alors. Non mais attendez, c'est de ma faute si je suis vieux et moche? Je sais pas si c'est votre faute, mais en tout cas, je constate. Vous avez des bouts de chiottes, c'est pas possible. Non, non, je vous garantis que vous êtes infiniment perfectible. Hein. Et pour être poli, ça c'est vous qui le dites. Figurez-vous, j'ai fait un sondage. Certes, c'était un échantillon d'une seule personne, hein, ma femme. Mais elle me trouve beaucoup plus beau que lui, tant mieux pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Il y a 100% des gens qui ont répondu à ce sondage qui me trouvent beaucoup plus beau que mon neveu. Je sais pas ce qu'il vous faut, hein. À ce niveau-là, c'est quasiment scientifique. Hein. Les scientifiques n'ont pas arrêté de se tromper dans l'histoire, parce qu'ils prennent des risques, c'est pas comme certains. Eh bien, monsieur Dan, je vais vous prouver le contraire. Ah bon? On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Alléluia! Une belle réduction. Exactement. Par contre, il va falloir faire un petit ravalement de façade. Hein. Un ravalement de vos yeux, ils sont de quelle couleur? Marron. Ah, ça aurait été beaucoup plus facile s'ils étaient verts. Ah bon? Faut avoir des yeux verts pour négocier une assurance? Désolé, mais c'est pas moi qui fixe les règles, hein. C'est la direction. Et David Bowie, comment il faisait? Il payait 50%. Bon, bah écoutez, attendez-moi 2 minutes, je vais à la pharmacie en face et je vais acheter des lentilles. Ah non, 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 pas de lentilles, hein. C'est marqué dans le contrat, à la fin. Où ça? En tout petit, là. Bon, si je comprends bien, je vais devoir me faire opérer. Essayez les gouttes à l'eau de Javel, mais j'y crois moyen. Bon, et combien ça va me faire économiser cette histoire? Alors, vous payez actuellement 84 euros. Je pose si je retiens un. Ça vous fera 78,95 € par mois. Bah oui, quoi, tout ça pour gagner 5 euros par mois? 5,05 €. C'est une plaisanterie. 5,05 € fois 12, ça fait 60,60 €, on est d'accord? Oui. Fois 25 ans, donc fois 25, je pose 7, je retiens 1. Non, j'en suis à 1514. Et vous, le compte est bon, 1515. Allez-y. 10 plus 1, 11. 150 fois 11, 1550. 7 fois 5, 35, que je retranche, 1515. Le compte est bon. Alors là, chapeau, hein. En tout cas, ça vous fait 1515 € d'économie. Elle est pas belle la vie? Oui, mais sur 25 ans. C'est toujours ça pris au banque, c'est pas vrai? Moi, les frais de dossier, naturellement. Les frais de dossier? C'est combien? 500 €. Non, ça se négocie, ça. Hein. Je sais que vous pouvez faire un geste. Bon, je veux bien vous les enlever, mais dans ce cas-là, il est impératif de vous raser les sourcils. Les sourcils? Pourquoi? Ils sont pas très beaux. Vous trouvez? Ah, c'est pas les sourcils de Raymond Domenech, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, monsieur Dan, entre nous, à quoi ça sert les sourcils? Je sais pas. À rien. CQFD. Allez, revenez me voir quand vous serez motivé et décidé. Et je vous raccompagne, monsieur Dan? Non. Ça m'allait. Et surtout, ne touchez pas aux oreilles, hein, elles sont nickel. Client suivant.